Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Cap34, on se retrouve pour une toute petite vidéo, une petite intro que je vais faire ici, on est sur le compte de Sans Argent Mais de la Qualité. Tout simplement, j'ai mon pack du lundi qui est là depuis un moment. Donc on va s'ouvrir avec cette coquille et cette vidéo là sera soit au début, soit à la fin de la vidéo de Sans Argent Mais de la Qualité. L'épisode, je ne sais pas celle combien. Donc on va trouver une nouvelle place tant que l'équipe est là. Donc en espérant avoir pourquoi pas une bonne carte. Hein. Petit, ce serait vraiment énorme. Et donc voilà. On s'empaque le pack du lundi. Allez s'il vous plaît, une grosse carte. Et nous avons Vietto. Malheureusement c'est pas une grosse carte. Et donc, c'est méga, c'est bien. Et donc ben voilà. Donc c'est tout ce que j'ai eu dans mon pack. Et j'ai vu quand même le crédit et le maillot. Demain c'est Society, donc c'est quand même bien. Donc les amis, on se retrouve soit pour le début de la vidéo, ou soit ben, c'est fini. Donc les amis, à tout de suite ou à bientôt. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et je vais très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sans Argent Mais de la Qualité, l'épisode 19. Et dans cet épisode, comme vous avez pu le voir juste avant, logiquement, j'ai dit ben, c'est mon travail. Il aurait dû avoir un petit pack là que j'ai ouvert pour la Toti. Et donc je n'ai rien eu dedans, hein, comme vous avez pu le voir. Malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux matchs, comme d'habitude, dans cet épisode. On est en saison en ligne 10-6, on a 4 points. Et il y a des modifications qui vont se faire dans mes deux équipes. J'ai 60 points de crédit, la Toti vient de se finir depuis une semaine, et les prix ont baissé. Donc j'ai décidé tout simplement de m'acheter certains joueurs. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les joueurs en équipe concept, ce sont les joueurs que je vais me prendre. Si j'ai assez d'ailleurs, Loris au cage, Koscielny en défenseur central avec notre ami Vertonghen, ça peut faire pas mal, ça peut faire du mal. Matic qui a vraiment baissé et Sterling pour notre équipe 1 et pour l'équipe 2, tout simplement il y a donc l'équipe 2 elle est là. Il y a quelques joueurs aussi, donc il y a Leno qu'on pourrait que je veux avoir. Il y a notre ami Luis Gustavo et notre ami Aubameyang. Donc on va essayer de se recruter tout ça avec les 63 749 crédits que j'ai. J'ai vu un abonné qui m'avait dit prends Luis Gustavo et Aubameyang, si je dis pas de bêtises. De toute manière, je pensais déjà les prendre même s'il n'y avait pas ce commentaire. Mais bon, vu que maintenant les prix baissent, je vais me les prendre. Et donc voilà. Donc les amis, je vais m'acheter tout ça et on se retrouve tous. Bon voilà, les équipes sont prêtes, tout simplement j'ai acheté tout le monde, j'ai eu assez, je vais vous montrer, voilà, hop, l'autre équipe, donc là, donc voilà, j'ai eu assez, et vous montrer maintenant pour combien je les ai eu. J'ai eu 16 250 Aubameyang, mais un tout petit peu on va augmenter, c'est pas grave, donc lui j'ai fait une affaire, hein. Je l'ai eu pour 850 qui coûte dans les 1500, donc ça va, Leno j'ai eu pour 3500, voilà. Et ensuite l'équipe 1, je me suis acheté pas mal de joueurs qui valaient cher, dont Loris 5900, Koscielny 7400, notre ami Matic 3600 et notre ami le plus cher, c'est Sterling 10500. J'ai acheté un Sterling à 10250, mais il était en AVG, donc je l'ai revendu. Là, j'allais le montrer. Je l'ai revendu tout de suite, ça fait plaisir, au même prix, donc tant mieux. Et je me suis acheté un Sterling à 10500 en MG, donc voilà. Donc ça c'est tout le reste, tout ce que j'ai vendu avant, donc je vous le montre maintenant, avant de le retirer, voilà. Et ici c'est des trucs que je dois revendre encore, puis il part pas, donc ça va partir, ça va partir. Voilà, tranquillement, on va tout retirer. Si ça part pas, ben ça part pas les gars, on va venir. On va pas forcer. Hop, j'ai déjà forcé, donc
Et on se retrouve dès que j'ai un adversaire pour commencer cette vidéo. Allez, on est parti les amis, on rentre sur le Barclays Premier League avec Victor Valdez qui a mis au standard. Parce que cette vidéo, je vous dis comment elle sera soit au standard ou soit il ne sera pas. Vu que le match sera fini, je ne sais pas, en tout cas j'espère qu'il viendra. Ce serait bel appel, allez vas-y, Aubameyang pour son premier but sur notre couleur. Voilà les gars, Pierre-Emerick Aubameyang. Ça fait plaisir, 1-0. Sa toute première frappe sur nos nouvelles couleurs et sur sa nouvelle couleur plutôt, et il marque, ça fait plaisir. 19e minute, 1-0. Ça la gouille un peu là, bien joué gardien. Franchement, j'aime pas quand ça la gouille ainsi. Franchement, c'est un truc que j'ai horreur, ça les lag. Et ça n'a pas de laguer, ça me fait chier. Ça joué ça, la frappe et le but. Voilà les gars. On joue en face, ça fait plaisir. Et ça marche quoi, comme d'habitude. Ces derniers temps, on a vraiment bien joué et... sur ce compte-ci, ça fait plaisir. Deuxième but, passe D de Pierre-Emerick Aubameyang pour Chicharito. Team 2, hop, allez, il m'a empêché de frapper, mais il frappe pas. C'est le but, et c'est Rodriguez. Si je dis pas de bêtises, je ne sais pas pourquoi il est là, mais c'est pas grave, but de Rodriguez, ça fait plaisir. Allez, troisième buteur, allez, avant la mi-temps. Par contre, les lags, c'est vraiment chiant, j'ai vraiment du mal notre match. On dirait pas, vu que je gagne 2-0, mais... pas 3-0, mais j'ai du mal avec les lags. Franchement, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Ah là, bah, magnifique, hein, magnifique action, hop. Puis une, deux, et après il m'empêche de frapper et je frappe, et avec la grosse patte gauche de Ricardo Rodriguez, ça fait 3-0 juste avant la mi-temps. Ça fait plaisir. Allez, vas-y, oui. Le lob, non. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, dommage. Moi, j'ai un peu stressé là, dommage. J'aurais pu peut-être marquer le 4-4, mais c'est pas grave. C'est à la mi-temps pour le moment les amis, et on gagne 3-0 à la mi-temps. 7 tirs à 5, 3 tirs carrés à 5, 60% de possession à 40. Et je domine, certes,
Mais franchement, je suis bien payé parce que là, j'ai vraiment du mal. Je pense que s'il rappelait là, je serais encore mieux. Mais franchement, je suis pas à l'aise s'il rappelait là. Je suis vraiment pas à l'aise. Donc il va falloir essayer de marquer un 4ème pour vraiment définitivement enfoncer mon adversaire. Et donc on va espérer marquer le plus rapidement possible. Oh la chance. Oh le poteau. Ouh là, j'ai chaud là. J'ai vraiment chaud là les gars. Oh non mais là les passes là, faut que ça s'arrête. Voilà. Oh, j'ai vraiment chaud avec le poteau là. Hein? Non mais il s'est passé quoi là? Pourquoi il y a faute? Pourquoi il y a coup franc? J'ai pas compris là. Là j'allais marquer, donc là j'étais en train de marquer sur mon bloc-notes la minute du poteau. Je pensais qu'il y avait sorti de balle. Et il marque, ok. Il y a un coup franc apparemment. Bon ben voilà, il faut que je marque 50e but, mais... Voilà quoi, je suis choqué là, parce que là, je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qui vient de se passer. À part que je vais me faire avoir, tout simplement. Oh non! Purée, pas de carton rouge. Oh là là, une petite carte rouge par-ci par-là, c'est génial ça. Heureusement que j'ai pas encore voulu ton frère pour le mettre pour le prochain match. Bien gardien! Bien joué Léno! Super gardien! Enfin les amis, ce match est terminé parce qu'il m'a saoulé ce match avec tous ses lags. Et dès qu'il a marqué son but là, sur son coup franc, là j'arrivais plus à rien faire. Comme si mes joueurs étaient démoralisés et tout, alors qu'ils gagnaient 3-1. Mais bon. C'est pas grave, on a gagné, ça fait plaisir. 9-1 note pour Aubameyang, l'homme du match. Un but, une passe D, hein. Deux passes D même carrément, c'est génial. Et donc, ça fait plaisir, on remporte ce match, au score de 3-1. Comme je l'ai dit, j'étais pas à l'aise. Hein. Deuxième mi-temps, voilà, j'ai même rien su faire. Comme je vous le dis, j'ai rien su faire. Même pas fait une seule frappe. Ça lague encore plus, c'est un peu, j'avais l'impression. C'était abusé. C'est abusé tout simplement. Donc voilà les amis, on continue et on se retrouve pour le deuxième match de cette vidéo. Allez les gars, oh my god. On est parti les gars pour un match qu'on va galérer, je sens. 5 défenseurs, Barclay Premier League, avec du Hazard, du Sterling en milieu de terrain, du De Bruyne Company. Il a mis Matic en défenseur. Ok, bon, équipe Space, donc il va falloir gagner ce match, donc les amis, on est parti pour l'amélioration de ce match. Ah, il est passé, Benteke, le poteau, mais non, la transversale de Benteke. Oh, dommage. Allez, frappe! Oh, mais une faute là! Tout à l'heure, j'ai eu un penalty pour ça! Oh là, bien joué, Loris! Bien joué, Loris! Continue comme ça! Pour le moment, c'est la mi-temps, les amis, j'ai du mal. J'ai la possession, mais j'ai du mal à rentrer dans son rectangle. La seule fois où je suis rentré dans son rectangle, ça a fait mouche, c'est un poteau. Mais donc voilà, j'essaye de construire, j'essaye de contourner cette défense à 5 là, mais c'est compliqué. Donc on va essayer de faire le maximum. Je sais qu'il y a moyen, je sens qu'il y a moyen, donc on va tout donner. Oui, bien joué, allez, vas-y, oui, allez la frappe. Oh là là, c'était bien joué. Tout à l'heure, j'arrive à essayer de faire ce truc assis, mais bon, à chaque fois, ça. Devant le but, ça marche pas, quoi. Dommage. Attention à la frappe et la but. Voilà. Et ouais, but de Philippe Coutinho, malheureusement.
1-0, 54e. Voilà, j'ai fait partir un de mes joueurs et voilà, c'est ma faute. Oui! Oh non, la frappe! Mais Sterling, il faut que tu la marques, hein, celle-là. Oh. Oui, allez, vas-y! Les frappes de toi, mais je t'ai mal frappé directement. Dommage. Allez, les gars, mais il y a moyen. Je sais qu'il y a moyen. Il est pas si fort que ça, ce joueur russe. Il y a 5 défenseurs. Et c'est un minimum joué, voilà quoi, mais franchement il y a deux fois moyen quoi. Franchement les gars, j'ai vraiment un doute trop peu dans ce match. Je sais qu'il y avait moyen. Je le sais hein, qu'il y avait moyen. Il y avait l'air pas moyen. Seulement voilà, c'est comme ça. J'ai pas eu de grand réussite ici. Je fais un poteau. J'ai bien construit mes actions et tout, mais la finition n'était pas là dans ce match malheureusement. Ce n'est pas grave. Pop, le stat, 8 tirs à 1, vraiment. Bon, quand je dis que la finition n'était vraiment pas là dans ce match, c'est vraiment le cas. Ça voulait pas, tout simplement. Ça voulait pas dans ce match-là. Et pourtant, c'était pas des frappes compliquées, vous avez fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à laisser un commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, les amis. C'était 434, prenez soin de vous. Ciao, ciao!